Il y a un problème. Les vêtements, là, vraiment, c'est... J'ai admiré de regarder. Que Mireille regarde dans ma chambre, tout ce qui est ça, là. Qu'elle regarde aussi les costumes. Alors, pour les vêtements, pardon. Là, là, là... c'est tout là. Parfait toi, je te nomme. Les postes sont déjà tous occupés vraiment. A nominação da la... risca. Normalmente é no a nominação. Se é isso que Não me lasquei do fim. Tá Não. Se será a nome. Se será a nome, então vai lá. Se m'a não basta, eu não me Bon samedi, bon week-end. Et connectons-nous massivement, s'il vous plaît, partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Nous allons parler des choses extraordinaires. Qu'est-ce que c'est grillé Qui a dit que c'est grillé Hein Elle a dit que c'est grillé. Partageons la vidéo au maximum, s'il vous plaît. Connectons-nous nombreux. Connectons-nous très très nombreux. Partageons cette vidéo au maximum. Nous avons une direct extraordinaire, très très spéciale ce matin. Très très spécial. C'est mieux d'écouter ça de tes propres oreilles. C'est important. Trop de contestations inutiles dans l'Église aujourd'hui. C'est pas d'où sort cette race de contestateurs qui ne lisent pas la Bible. Les chrétiens qui n'ont jamais acheté la Bible. Hein. Jamais. Jamais acheté la Bible. On te dit que ouvre à Bacouk, Tu vas te demander. Bakouk, c'est une nouvelle espèce animale qu'on a découverte. Euh, Sarah, regarde ma montre dans la chambre, j'ai oublié. Prends-moi ça, pardon. S'il te plaît, connectons-nous massivement et partageons cette vidéo au maximum dans nos groupes. Regarde ma chambre, il y a ma montre que j'ai oublié Très vite, pardon. Connectons-nous au maximum, maximum. Connectons au maximum. Nous avons des choses très très sérieuses à partager ce matin. Très, très sérieuses. Et le samedi, hein, ça c'est le samedi, le week-end prophétique, le rallye prophétique. Déjà, tous nos partenaires, tous les partenaires nationaux, internationaux, qui veulent s'inscrire à la conférence des partenaires en ligne. Les numéros ont été donnés. Il y a une annonce qui a été faite. Donc connectez-vous. Et euh, Mireille, pardon, je vais demander le numéro là, s'il te plaît, rapidement. Je dois passer l'annonce. Samedi le 28 août, nous aurons une grande conférence euh, en ligne pour tous les partenaires. Donc vous, vous appelez le numéro que je vous donnais tout à l'heure, vous, vous aurez les modalités. C'est deux noms exclusivement, deux personnes exclusivement. Mama Mireille. Mousseni Otam Mireille Rose. Maman Mousseni Otam Mireille Rose. C'est pas ça, la montre noire. Il y a la montre noire là-bas, petite fille. Va fouiller bien. La vie, j'ai cherché, vous trouverez. Tu n'as pas bien cherché. Donc, on a Maman Mousseni Otam Mireille Rose. Et on a Maman Eugénie Emungue Sopo, épouse Moukoko Poli. Les deux noms. <coughs> Si on vous donne un nom, vous appelez parce qu'il y a tellement. Et, écoutez bien aimé, Voici ma page ici. N'allez pas sur le Messenger causer avec des arnaqueurs et dire que le prophète non, Ferdinand m'a pris l'argent. Non, pardon. Appelez à ces deux numéros. Mireille, je veux le numéro. Les deux numéros que je vous donne là, vous appelez. Il y a deux noms, deux personnes qui se chargent de ce travail. Maman, Mousseni, Maman, Mireille, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas noir. C'est en plastique. Maman Mousseni, Otam Mireille Rose. Et maman, Eugénie et mon gars, épouse, mon coco, poli. Les deux noms. Si vous trouvez notre nom bizarre là, c'est le voleur. C'est pas nous. Que Dieu bénisse. Quelqu'un vous dit que c'est ma secrétaire. Je n'ai pas, oh. pas de secrétaire, je n'ai pas de secrétaire. Je n'ai pas de secrétaire. Donc, euh, quand vous mentez dehors là, c'est le menteur, c'est le voleur. La secrétaire ou... Non, non, je n'ai pas de secrétaire. Que Dieu te bénisse au oh nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Nous attendons encore les autres pour quelques minutes. Donc, comment se passe déjà le week-end chez vous Comment se passe ce samedi Comment vous préparez votre dimanche Et j'ai aussi un compte Paypal pour ceux qui sont à l'étranger qui veulent payer par Paypal. Alors, vous n'avez qu'à... tu tu la couleur noire Ce n'est pas ça. La montre, là. Toi, tu as regardé dans le tiroir non, ça j'ai déposé, ça doit au-dessous dans le lit. Tout ça, c'est le montre que je porte tous les jours. J'ai une, une Aldo, c'est que sur ça Aldo. Donc voilà, ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez, euh, quand vous allez appeler, on vous donnera les modalités. Vous pouvez euh, faire votre semence dans mon compte Paypal. Mon compte Paypal, qui est euh, prophète, en minuscule, point, F, point et gmail.com prophète tout en minuscule prophète. Point, f point gmail.com et ce compte paypal il est sous le couvert de mon pasteur l'un de nos l'une de nos pasteurs en allemagne madame Dorlac Smith madame Dorlac Smith voilà donc voilà le nom qui apparaîtra lorsque vous allez faire. certaines personnes qui disent non, c'est les arnaqueurs. Non, ce n'est pas une arnaqueuse là-bas. Elle fait partie de mes enfants les plus fidèles. Elles sont deux là-bas en Allemagne. Elles font partie, ce n'est pas ça. J'ai dit en plastique, toi, ton problème, c'est même bon, quoi Laisse tomber. Donc, ma Maman Mireille Rose, Mousséni Otam le numéro plus 275, hein, plus 237. 675 87. 78 20 plus 237 675 87 78 20. Voilà le numéro de Mama Mireille Rose Mousseni Otam. Vous écrivez le nom exactement comme ça. Mireille Rose Mousseni Otam. Le deuxième nom c'est Mama Eugénie Emungue Sopo. Épouse Mukoko Poli. Voilà. Maman Eugénie Emungue Sopo. Épouse Mukoko Poli. 699 96 37 14. Euh, précédé de l'indicatif du Cameroun, plus 237. 699 96 37 14. Vous appelez à ce numéro. Les deux noms Maman Mireille Rose Mousséni Otam, Maman Eugénie Emungesopo, épouse Moukoko Poli. Il n'y a pas d'autres personnes qui ont des noms comparables à ceux-ci. C'est des noms spéciaux, des noms ouais Donc, si. Vous causez les gens, je ne cause pas avec vous sur Messenger. Non. Le prophète Canet Ferdinand cause, vous avez ma page, mais je parle avec mes enfants sur le numéro WhatsApp. J'ai mon numéro WhatsApp que vous connaissez déjà. Que Dieu oh bénisse, je vais afficher ça euh, sur le chapeau de cette émission. Donc que le Seigneur soit avec toi. Voilà, je pense que pour la conférence. Donc pour ceux qui enverront leur contribution par PayPal, précisez bien que c'est pour la conférence. Euh, en ligne des, des, des partenaires. Alors, vous laissez vos coordonnées WhatsApp. Samedi, le 28 septembre, à 16h, je commence la conférence, j'appelle. Moi-même, je vous appelle en personne par appel vidéo. Si vous êtes en famille, vous rassemblez votre famille et nous allons causer ensemble. Voilà comment ça se passe. Que Dieu vous bénisse. Donc, si vous avez des problèmes, vous voulez connaître la volonté de Dieu par rapport à un domaine précis de votre vie, vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes malade, vous êtes bloqué. Dans tous les cas, vous voulez parler avec le prophète. Vous avez soif que nous ayons un conseil prophétique ensemble. Ce samedi 28, ça sera l'occasion de communiquer avec vous. Comme la voie, c'est encore compliqué avec la pandémie du Covid-19. Nous avons toujours un moyen pour vous toucher. C'est un peu comme si j'étais en Europe ou comme si j'étais au Togo ou au Bénin. Même ceux du Cameroun qui sont loin, qui voudraient être parmi ses partenaires en ligne. Vous pouvez appeler à ce numéro, on vous dira exactement ce qu'il faut faire. Alors, en remplissant les conditions, vous laissez votre numéro WhatsApp, la liste me sera remise et puis je vous appellerai. C'est moi qui vous appellerai avec ma ligne des partenaires. Que Dieu te bénisse au nom précieux et souverain de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment exceptionnel que tu nous donnes de partager avec les frères. Je t'en supplie, prends contrôle et glorifie ton nom. Que le parfum de ta présence, Seigneur, soit sur chacun d'entre nous et donne-nous la vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Alors, j'ai fait une annonce. J'ai fait l'annonce tout à l'heure, je pense que c'était ce matin, disant que euh, je vais revenir sur le fait, j'ai dit que je savais que mon épouse allait retourner au Seigneur. Voilà le titre que j'ai donné. Je savais que mon épouse allait retourner au Seigneur. Nous allons revenir là-dessus. Et je pense que le Seigneur t'aidera. Le Seigneur nous aidera, nous tous, il nous aidera. Il nous bénira et permettra que nous puissions accomplir ce pourquoi il nous a appelés. Nous bénissons le Seigneur. Que Dieu soit loué pour l'éternité, qu'il soit élevé au plus haut des cieux. Que la gloire lui revienne pour l'éternité, car ses voies sont insondables. Et la réflexion de ce matin, nous allons la faire à partir de deux versets bibliques. Je voudrais vous parler du conseil de Dieu, bien-aimé. Vous savez, je veux m'adresser aux enfants de Dieu, aux enfants de Dieu, et non pas aux aventuriers dans le christianisme. Parce qu'il y a tellement d'aventuriers dans le christianisme aujourd'hui. Je veux parler à ceux de la race de Dieu. À ceux qui connaissent Dieu, la Bible dit qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Nous bénissons Dieu pour Facebook. Parce que c'est une plateforme qui nous a donné de communiquer. Et nous bénissons aussi Dieu quelque part pour le Covid-19. Lorsque l'ennemi utilise des voix pour faire du mal à Dieu, Dieu le prend dans sa propre folie. Et il le tourne à dérision. Dieu a tourné à dérision l'affaire du Covid-19 contre son église. Pour nous donner d'avoir des églises plus grandes que nos églises physiques. C'est ça la vérité. Facebook, c'est la plus grande église que j'ai jamais dirigée. Oui, la Rema Facebook Church, c'est la plus grande assemblée. Parfois, je parle à plus de 100 000 personnes rassemblées en une seule journée. Mais il faut comprendre que c'est l'une des églises les plus influentes que Dieu nous a données sur la plateforme de Facebook. C'est pour cela que tu dois partager la vidéo. C'est une lourde responsabilité que Dieu te donne. De me suivre, de te connecter, c'est une grâce. Ça ne vient pas de toi, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait en toi. Tu deviens un instrument entre les mains de Dieu. Et il faut que tu en sois conscient. Tu partages dans tous les groupes. Tu invites tes amis. Tu invites toutes les plateformes sur lesquelles Dieu t'a connecté. Pour que ce message puisse parvenir au plus grand nombre de personnes et qu'un plus grand nombre soit sauvé. Donc, j'ai parlé de cela. Et je bénis pour Facebook. Mais en même temps, Facebook est aussi une plateforme où la folie de ceux qui pensent connaître Dieu plus que les autres a été exposé. Parfois quand je lis et je parcours la page, notre page, euh, je prie beaucoup, hein, j'intercède pour beaucoup de personnes. Quand je lis certains commentaires, j'intercède pour ces personnes. C'est des sujets de prière que je prends. Vous voyez, je prends ça comme des sujets de prière. Parce que euh, c'est comme une salle de classe. Il y en a qui sont intelligents, très intelligents. Il y en a qui sont moins intelligents. Il y en a qui sont intelligents, il y en a qui ne sont pas intelligents. Dans pas les commentaires, vous pouvez savoir si une personne connaît Dieu ou si une personne ne connaît pas Dieu. Donc c'est important de le dire de la sorte. Et je bénis Dieu pour ça, parce qu'il est fidèle. Donc, vous savez, mes directs ne sont pas faits pour répondre aux gens. Il faut comprendre cela. On n'a pas besoin de répondre aux gens. Donc il faut que vous soyez intelligent pour comprendre l'œuvre du Saint-Esprit. Nous enseignons les gens. Nous sauvons plusieurs de la fausse doctrine de Satan qui est en train de vouloir remplacer la doctrine de Jésus-Christ dans son Église. Nous sauvons plusieurs. Nous pouvons prendre les questionnements des gens ou même les injures de nos ennemis pour ramener plusieurs à Christ. Même nos ennemis parmi, il y a des brebis égarés. Il y en a qui suivent bêtement les agents de Satan. Et ceux-là, nous nous efforcerons à les ramener. Fouillez bien les habits-là, pardon. Fouillez tous mes habits-là. Chara. Fouille ça bien d'abord. Fouille les poche là. Parfois, il y a des héritages cachés dans ces poches. Donc, tu as fouillé. Donc, tout ce que tu trouves, mets de côté ma fille. Alors, voilà, <laughs> il faut comprendre que, bien aimé, nous avons cette responsabilité. Ce n'est pas parce que quelqu'un nous insulte ou en ma pas pour insulter que je veux mettre de côté la personne, je veux prier pour elle et que le Seigneur la ramène à la raison. Je veux parler du conseil de Dieu ce matin. Parce que malheureusement, je me suis rendu compte que beaucoup d'enfants de Dieu n'assistent pas au conseil de Dieu. Il y a quelque chose qu'on appelle le conseil de Dieu, qui vous donne accès au secret de Dieu. C'est pour cela que j'ai parlé hier, j'ai enseigné sur la consultation de Dieu, comment consulter Dieu. Et on a vu dans la guerre contre les Philistins, la Bible nous a enseigné hier que lorsque les Philistins ont appris, que David a été fait roi. Ils se sont rangés en bataille et lui ont déclaré la guerre. Et j'ai expliqué que lorsque Dieu te bénit, lorsqu'il y a un grand événement que le ciel crée dans ta vie, ce grand événement aura aussi pour conséquence de grands combats dans ta vie. Donc aux grandes bénédictions, les grandes batailles. C'est comme ça que ça se passe. En sorte que pour savoir s'il y a eu une bonne nouvelle du ciel, un cadeau du ciel dans ta vie, le signe, c'est le combat. À chaque fois que vous remarquerez dans votre vie qu'il y a des grands combats, ça c'est qu'il y a des grandes bénédictions que Dieu a déposées dans votre compte bancaire spirituel et céleste. C'est ça la vérité. Aux grandes bénédictions de grands combats. Qu'on a appris que David a été un roi. Les Philistins, l'armée des Philistins s'est soulevée contre lui et sont venus pour le combattre. Or, quand David n'était pas roi, les Philistins ne le connaissaient pas. Mais son élévation a eu un signalement dans le camp de ses ennemis. Donc, le diable ne voulait pas que David s'asseche sur le trône. Mais malgré leur prédispositions haineuses, le Seigneur a fait jouir à David d'une royauté telle que peu de rois en Israël en ont joui. Tant pour dire que lorsque Dieu a écrit. En faveur d'une personne, personne ne peut effacer ce que Dieu a dit au sujet de cette personne. C'est pas possible. Quand Dieu a dit que tu seras grand, tu seras grand. Fais du confiance. Ne regarde pas ce que tes ennemis euh, font ou bien disent. Sinon, les gens comme nous, on n'existerait plus. Plus nos ennemis nous insultent, plus on devient puissant. Plus le ministère se répand à gauche, à droite, devant, derrière. Plus Dieu nous bénit. Donc c'est ça la vérité. Donc bien aimé. Le conseil de Dieu est une réalité pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Chaque enfant de Dieu devrait assister au conseil de Dieu. Mais j'ai observé avec tristesse que beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas ce qu'on appelle les conseils de Dieu. Quand il y a des problèmes, au lieu de retourner dans ce lieu secret, euh, ils sont vagabondants, ils sont vadrouillants, ils sont virevoltants. Et puis ils virevoltent comme une feuille morte à gauche et à droite. Ils ne connaissent pas le conseil de Dieu dans leur vie. Certains enfants de Dieu ne savent même pas que Dieu parle. Je vous dis la vérité. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que Dieu parle. Or, tu devrais causer avec Dieu. La Bible dit donc dans le passage que David, avant d'attaquer le poste des Philistins, va d'abord interroger Dieu. Il va au conseil de Dieu et il demande Seigneur, monterai-je contre les Philistins il ne s'engage pas bêtement et aveuglement dans une bataille aussi dangereuse que celle-là. Donc le secret de David, c'était le conseil de Dieu. David ne faisait jamais rien dans sa vie sans consulter Dieu. Et je vous ai dit une chose, une personne qui consulte Dieu n'est jamais prise au dépourvu. Elle connaît à l'avance les plans de ses ennemis. Quand ses ennemis se rassemblent dans le secret, elle est au courant. Dans son sommeil, Dieu lui apporte cette révélation. Mais le peuple de Dieu aujourd'hui est toujours surpris. C'est sur Facebook que tu veux montrer que tu connais Dieu. Pourtant, les Philistins te tapent tous les jours. On te bat sur ton ventre et sur ton dos. Tu n'as pas de moyen de te défendre. Tu ne t'en sors pas. Tu es chrétien. Mais le diable te surprend tous les jours. Les sorciers te malmettent à gauche, à droite. Même aller dans ton village, ça fait longtemps que tu ne pars pas. Quand on te dit pourquoi tu ne pars pas au village, tu dis j'ai pas le transport. Pourtant, ce n'est pas ça. La vraie raison, c'est que tu as peur que les sorciers te mangent. C'est ça la vérité. C'est que la dernière fois que tu es parti là-bas, tu as failli rester. Des chrétiens qui ont peur des sorciers, qui ont peur d'aller dans leur village parce qu'ils ont peur qu'on leur jette le mauvais sort. Dans chaque bataille de ta vie, tu sors battu, tu sors vaincu. Tu n'es qu'un sujet de honte, de raillerie, de moquerie, de sarcasme. Dans ta génération, tu viens bavarder sur Facebook pour insulter ceux qui assistent au conseil de Dieu. Le christianisme, ce n'est pas bébé, bébé, bébé. Non, non, non. Le christianisme, c'est pas ça. Non. Le christianisme, j'ai dit que celui qui a Dieu ne dit pas que j'ai Dieu, j'ai Dieu. On voit Dieu dans sa vie. Nous, on cause avec Dieu, frère. Tu veux, tu te fasses, on s'en fout. On cause avec Dieu. On parle avec Dieu. Et j'ai causé avec quelqu'un ce matin, je lui expliquais que euh, j'ai demandé à Dieu, avant de dormir hier, que Seigneur, telle personne, c'est qui, la nuit, si Dieu m'appelle à 3 h du matin, le Seigneur m'a dit, c'est telle. Elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voici la personne-là, comme ça, comme ça. Le Seigneur m'a donné le A1 -E sur la personne. Et Dieu m'a dit, dis-lui, donne-lui tel conseil, tel conseil. Dis-lui ceci, ceci. Voici ce que j'ai contre elle. Et le matin, j'ai appelé la personne. J'ai écrit à la personne. Que voici, je sors du conseil de Dieu. De 3h à 5h du matin. J'étais en train de prier devant le Seigneur par rapport à cette grâce, à ce don, à cette faveur. Ce n'est pas parce que je suis plus juste que toi, ou plus méritant que toi, non. C'est une grâce. Et c'est aussi parce que j'aime le conseil de Dieu. J'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute mon affection, de tout mon esprit. J'aime Dieu tout, tout, tout. J'aime Dieu complètement. Je suis fini même. L'amour de Dieu me tue. Son amour me tue. J'en meurs. J'ai une passion folle pour Dieu. Je mourrais. En servant le Seigneur. Donc, c'est normal que lorsque je me mets à genoux pour poser des questions à Dieu, que le Seigneur me réponde là, 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 le même jour. Dieu m'a donné le A. Et ça m'a aidé de pouvoir euh, prendre de bonnes décisions concernant la personne. Donc, le conseil de Dieu n'est pas pour les hommes de Dieu seulement, mais c'est pour tous les enfants de Dieu. David demande à Dieu Seigneur, est-ce que je dois monter Dieu lui dit Monte, attaque, je serai avec toi, je l'ai livré entre tes mains. Et il va, il attaque et il est bat. Selon la parole qu'il a reçue dans le conseil de Dieu. Et puis, David va remporter la victoire. Les Philistins vont fuir et ils vont revenir la deuxième fois. David ne se dit pas que, ok, comme ils sont venus la première fois, Dieu m'a dit monte. La même révélation, je vais l'appliquer maintenant pour la deuxième fois et j'irai encore frontalement. David a compris qu'à chaque situation, une révélation. À chaque situation, un conseil de Dieu. À chaque problème, même si c'est la même situation qui revient, retourne toujours dans le conseil de Dieu. Ne dis pas que lorsque j'étais dans le premier conseil de Dieu, il y a eu une révélation. Je vais utiliser la révélation passée, la révélation d'hier pour des problèmes d'aujourd'hui. Non. À chaque jour, sa révélation. David est retourné dans les conseils de Dieu. Il a interrogé Dieu et Dieu lui a dit ne monte pas comme la première fois. Contourne derrière. Attaque-les, pas derrière. Et quand tu arriveras même, n'attaque pas directement. Couche-toi, cachez-vous. Quand vous verrez les pas de Dieu sur le sommet des mûriers, vous saurez que l'éternel attaque le camp des philistins. Alors, vous aussi foncez. Bien-aimés, nous sommes surpris. Nous sommes battus, trompés. Parce que nous n'allons pas dans le conseil de Dieu. Dans tes affaires, on te frappe l'argent tous les jours. On détourne ton argent tous les jours. Tu t'associes aux mauvaises personnes. Parce que avant de t'allier à ces personnes, tu n'as pas pris le temps. D'aller consulter Dieu pour demander Seigneur, telle personne c'est qui Quand une porte s'ouvre devant toi, tu te précipites bêtement et on va t'égorger dedans. Ce n'est pas toutes les portes ouvertes qui sont de Dieu. Non. Ce n'est pas tout travail. Ce n'est pas parce que tu demandes le travail qu'à la première occasion de travailler, la première opportunité de travail, tu vas sauter dessus et tu te dis Dieu t'a exaucé. Non. Même lorsque tu penses que c'est Dieu qui t'a exaucé, Va quand même dans le lieu secret, demande à Dieu est-ce que c'est toi qui es en train d'ouvrir cette porte avant que je n'entre dedans C'est important. Ce n'est pas toute opportunité qui vient de Dieu. Quand vous lisez par exemple la Bible, quand vous lisez la Bible, voici ce que la Bible dira par exemple de, 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 de David. La Bible dit ceci dans 2 Samuel 23, verset 23. 2 Samuel chapitre 23, le verset 23. Il était le plus considéré des trente, mais il n'égala pas les trois premiers. David l'admit dans son conseil secret. David l'admit dans son conseil secret. Il y a des gens qui opèrent dans les conseils secrets de Dieu. Ce n'est pas seulement les prophètes, c'est pour tous les hommes, les enfants de Dieu. Hommes et femmes, si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et sauveur personnel. Si Dieu est la passion de ton cœur, la motivation de ton existence, tu feras de Dieu ton conseiller. Et Dieu te dira des choses cachées. La Bible dit que David admettait certaines personnes qui avaient fait certaines prouesses pour lui dans son secret, son conseil secret. Et toutes ces personnes étaient des personnes qui avaient mis leur vie en danger pour David. Qui est là? Ce sont des personnes qui avaient mis leur vie en danger pour le roi David, qui étaient allé jusqu'à aimer, à ne pas aimer leur vie plus que celle de David. Ils avaient fait quelque chose qui les avait démarqués de tout ce qui entourait David. Et c'est eux que David a admis dans son conseil secret. C'est la même chose pour Dieu aujourd'hui. Dieu n'admet pas tous les chrétiens dans son conseil secret. Il n'admet pas tous les hommes de Dieu dans son conseil secret. Non! Il admet ceux qui ont été des héros, qui se sont distingués par leur souffrance pour la croix, par leur engagement pour la croix, par leur sacrifice pour la foi chrétienne, pour la cause de l'Évangile. Pour ceux qui ont été prêts à défendre les couleurs du ciel, de la nouvelle Jérusalem de l'Évangile, au point même de sacrifier leur propre vie. Ceux qui ont accepté l'ignominie, la honte, la raillerie ont accepté perdre le mariage. À cause de la, la, la foi chrétienne. Ceux qui ont accepté perdre leur travail, perdre des millions à cause de l'amour pour Christ. Ceux qui ont été prêts à mourir, même à aller en prison à cause de l'évangile. Ceux qui ont fait des sacrifices que peu de chrétiens font dans leur vie, tu viens bavarder sur Facebook. Quel sacrifice as-tu déjà fait pour Dieu? Dieu ne t'a jamais parlé. Même les oreilles de Dieu, tu n'as jamais vu. L'ombre même de Dieu qui passe, tu n'as jamais vu. Tu viens parler à des personnes à qui Dieu a fait grâce, des personnes dont la vie sert de libation et dont la vie a été répandue sur le sol comme une libation. Dieu ne t'a jamais parlé. Tu n'es pas prêt à mourir pour Christ. On sent le fusil. Maintenant, là, tu vas te sauver comme le curé. Hein, comme le curé qui fuit d'un piège, qui fuit un piège. Et tu viens parler à ceux qui assistent au conseil de Dieu. Mais bien aimé, lorsque vous voyez un homme qui peut être capable de parler à un inconnu des choses cachées dans sa vie, énormément craignées. C'est les conséquences du conseil de Dieu. Toi, tu ne fais pas ça. Pourquoi Parce que tu n'es pas dans le conseil de Dieu. Tu n'accèdes pas dans le conseil de Dieu. Dieu ne fait pas accéder n'importe qui dans son conseil. Non. Il fait accéder ceux qui ont un esprit kamikaze. Il n'y a que les chrétiens kamikaze, entre guillemets, ceux qui sont prêts à mourir pour Christ dans la vérité. Pas je vais mourir pour toi. Je veux mourir pour toi, Seigneur. Je veux mourir pour toi. Dès qu'il y a la moindre persécution, tu rétrogrades. Je veux mourir pour toi. Tu ne peux pas résister au péché. Tu ne peux pas tuer dans les boîtes de nuit tous les jours. Tu viens bavarder ici, sur Facebook. On t'a dit que Dieu, c'est le Dieu de ceux qui vont dans les boîtes de nuit, que c'est ceux-là qui entrent dans son secret, son conseil secret. Tu viens m'insulter, même ta bouche, même sans d'abord le fight ta hate Donc c'est ça. Et tu viens bavarder fort sur Facebook. Facebook vous a donné l'opportunité. Nous bénissons Dieu pour cela. Mais il faut comprendre une chose. Ce sont pas ces choses-là qui te feront entrer dans le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu pour ceux qui sont consacrés à la cause du nom de Jésus-Christ. Ceux qui ne vivent plus que pour Christ. Qui n'ont plus dans leur vie aucun autre Dieu en dehors de Jésus. Qui ne connaissent plus notre vie en dehors de celle de Dieu. Qui vivent pour Dieu 100%. Leurs cœurs sont circoncis par l'évangile. Qui est l'épée de l'esprit. C'est ceux-là qui sont admis. C'est après avoir fait épreuve. Que Dieu te donne accès dans son secret. Tu veux que Dieu te parle. Mais tu vis dans la débauche, tu vis dans l'ivrognerie, tu vis, tu vas encore chez le marabout, tu veux que Dieu te parle. Quel Dieu Qu'est-ce que tu as fait pour mériter cela Le conseil de Dieu se mérite. David a dit aux trois généraux qu'il a fait accéder dans son conseil secret. Qui ira puiser de l'eau du puits de Bethléem pour me l'amener la Bible explique que ces trois, tout le monde a refusé. Les trois là sont partis. Or, le puits de Bethléem était euh, gardé, contrôlé par une garnison militaire philistine. Ils ont mis leur vie en danger. Ils sont allés, ils ont puiser cette eau. Dans le camp de l'ennemi, au cœur même du camp de l'ennemi, ils ont ramené ça à David. Tu viens insulter quelqu'un ici, tes yeux se tournent comme ça là. C'est J.P. Chénet qui est dedans. C'est la Guinness qui t'a cogné. La grosse Guinness, la grande Guinness. La petite étape. La grande te balaie un coup à l'hôpital, deux quoi à la morgue. Et tu viens parler ici Bien aimé, il faut que nous prenions notre responsabilité. Il y a un degré de consécration que Dieu exige à ceux qui entrent dans son conseil. Quand Dieu t'admet déjà dans son conseil secret, tu ne peux plus faire ce que d'autres gens font. Tu ne peux plus t'habiller comme d'autres gens s'habillent. Tu es sur Facebook, c'est tes fesses ce que tu filmes. Pour montrer ça sur ta photo de profil. Et tu veux babader fort, tu veux insulter les hommes de Dieu, les soins de Dieu, insulter ceux qui sortent, qui viennent juste de sortir du conseil de Dieu, les personnes qui causent avec Dieu. Tu veux, tu te filmes, filmes-toi comme ça, tu filmes sur tes fesses, que tu filmes, et tu babades. On te parle, tu dis que je sors du conseil de Dieu avec les fesses dehors. Tous tes saints sont dehors. Si tu craignais Dieu, tu ne ferais pas ce genre de photos sur Facebook. Et tu dis, je suis un enfant de Dieu, je suis une servante de Dieu. Si on ne fait même pas attention, tu nous menaces que tu es une prophétesse de Dieu une prophétesse qui expose ses seins sur les réseaux sociaux. Et c'est ça que tu vas venir. Et quand tu fais le commentaire, tu insultes les gens. Tu ne vois pas toi tes seins qui sont mis aux enchères. Tu veux babader fort. Tu veux parler. Tu ne vois pas la grosse poutre qui a déformé ton visage. Tu regardes une paille inexistante, une paille imaginaire dans l'œil de ton frère qui est propre, qui est clair. Pas de myopie spirituelle. Pas de, 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 de glaucome spirituel dans les yeux de ton frère. Mais tu vois quand même la paille dans ses yeux. Le peuple ne veut pas se consacrer à son Dieu. Ils ont fait de prouesses pour Dieu. Ils ont mis leur vie en danger pour Dieu. Tant que tu ne peux pas mettre ta vie en danger pour Dieu, tu peux abandonner. Un petit gars là, il te menace. Dieu te dit abandonne. Parce que le gars te dit que si tu n'arrêtes pas d'aller à l'église, toi et moi c'est fini. Tu choisis le suivre et abandonne les voies de Dieu. Tu veux bavarder sur Facebook. Que tu connais Dieu Tu connais quel Dieu tu n'es pas capable de faire le moindre sacrifice pour Dieu. Abandonner le moindre péché pour Dieu. Le moindre plaisir charnel pour Dieu. Tu veux parler? Fort ici. Oh, je sors du conseil de Dieu. Tu sors la boîte de nuit et tu dis le conseil de Dieu? Tu as vu Dieu tenir quel conseil dans une boîte de nuit? Faisons attention, bien-aimés. Donc, le conseil de Dieu est vrai. Donc, quand j'ai vu les gens, quand vous lisez par exemple, laissez-moi lire un chapitre là, rapidement. Il dit, la Bible dit ceci, dans Amos, euh, Amos, Amos, il dit, il dit, qui l'eau, y'a assez Adonai Yahweh, en vérité, Adonai Yahweh, d'abord, qui im, gala, shadao, el abadao, nebi im, en vérité, Adonai Yahweh, ne fait rien, sans avoir révélé son abadao, assez nebi im, sans avoir révélé son secret à ses prophètes. Han à ses prophètes. Il dit en vérité, le Seigneur Adonai ne fait rien, ne peut rien faire sans avoir révélé son secret à ses Nebihim, à ses prophètes. Bien aimé. La Bible est claire. Et puis, quand j'ai vu les gens dire, oh, il voit les choses sur le pays, il voit des choses, il n'a pas vu la mort de son épouse, mais j'ai dit que, bien aimé, vous êtes insensé. Vous manquez de sagesse. Vous manquez complètement de sagesse. Et on comprend que vous ne faites pas partie du peuple de Dieu ou de la race de ceux qui entrent dans le conseil secret de Dieu. Pour une personne qui connaît de quelle espèce j'appartiens, Comprendrait que toutes ces choses, étape par étape, Dieu nous en a parlé. Dieu nous a révélé cela. Dieu nous a révélé cela. Vous savez, mes bien-aimés, la vie de l'homme n'est rien. Hein? La vie, si, n'est rien. Je vous assure. Donc, abandonnons les guerres, les haines, toutes ces choses-là, ça ne sert à rien. Ça ne t'avance pas. Ça ne va pas te donner la nourriture. Ce n'est pas ça qui va empêcher que ton bailleur te chasse à la fin du mois parce que tu n'as pas l'argent du loyer. Viens faire la force ici. Dieu va me venger par ton bailleur. Il va te mettre à la porte. Sauf tu vas sortir à midi avec le sac sur la tête. Pourtant, si tu implorais le Dieu que je cherche, il t'aurait béni. Il t'aurait honoré. C'est ça la vérité. Parfois, tu viens, tu bavardes ici. Tu pars, tu pars. Tu es même en train de taper à pied. Même la, le, 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 le crédit avec lequel tu m'insultes. Tu as pris la dette à Orange. Bientôt, on va même bloquer ton numéro parce qu'il y a tellement de dettes. Que tu as prise pour m'insulter, que finalement, payer les dettes, tu, ça te dépasse. On va couper ton numéro pour moi, pour rien. J'ai dit une chose. Il n'y a rien d'important. Mireille, il faut compter ça après. Il faut, Mireille, après, il faut compter, s'il te plaît. Il faut vérifier tout ça. Normalement, on devait faire ça ensemble. Habit par habit. Rien de grand n'est arrivé dans ma vie sans que je ne sois au courant. Je suis ce genre de personne. Je répète, hein, je ne suis pas meilleur que toi. Hein. Je ne suis pas plus grand que toi. Et mon épouse, ma charmante épouse, c'est le même don que Dieu lui a donné. Parce qu'elle était connectée à la grâce de Dieu dans ma vie. C'était une femme de révélation. C'était même une prophétesse plus dangereuse même que moi. Tu elle prophétisait, quand c'est Momi qui appelait quelqu'un pour la prophétie, la sueur commençait à couler sur la personne. Parce qu'elle était crue. C'était l'une des femmes de prophète dans ce pays qui était avancée dans le prophétique tel qu'on n'en avait pas encore vu. C'est ça la vérité. Donc, bien aimé, Dieu nous a avertis sur les choses des nations. Ce n'est pas sur nos propres choses qu'il ne pouvait pas nous avertir. Non. Ce n'est pas sur nos propres choses. Vous savez qu'un homme de Dieu, qui qu'il soit, j'ai, je lisais le matin quand je me suis réveillé, que je méditais. Je lisais un peu l'histoire de papa Benson Idaosa. J'ai lu son histoire. <laughs> Vraiment. Et que Dieu nous aide à le connaître et à comprendre la vie que Dieu vous aide vous. Moi Dieu m'a déjà aidé. Papa Benson il est aux États-Unis. Lorsqu'on lui annonce que sa maman est morte, et il répond au téléphone, euh, ce n'est pas possible. On lui dit que, mais elle est morte. Il répond que ce n'est pas possible. On lui dit comment ça? Il dit que Dieu ne m'a pas dit qu'il allait la prendre. Donc elle ne peut pas mourir. Dieu ne m'a pas dit qu'il prenait ma mère. Et dans l'esprit la dernière fois où j'ai checké ma mère, j'ai trouvé qu'elle vivait. Et il demande aux gens Ouvrez ma chambre, faites-la coucher, faites coucher son cadavre dans mon lit. Et on lui demande S'il vous plaît, papa, vous allez rentrer quand Il dit Dans dix jours. On lui dit que, mais dans dix jours, le corps de ta mère sera en train de sentir. Il leur dit que c'est ma chambre qui va sentir. Posez-la dans mon lit. On ouvre donc sa chambre, on met. Le cadavre de, de sa mère dessus. Et il fait sa campagne aux États-Unis. Mais après dix jours, il appelle le Nigeria pour leur dire que je ne reviens plus parce que je n'ai pas encore fini ma campagne. Je reviendrai au Nigeria quand j'aurai terminé la campagne toute entière. Et donc, il a prolongé son séjour là-bas. Et quand il a fini, il a pris son avion, il est revenu dans son village, dans sa ville natale. Il a dit amenez-moi chez moi. On l'a amené chez lui. Le corps de sa mère n'avait pas pourri. Le corps n'avait pas senti. Le corps n'était pas tombé en désuétude. Il est entré dans sa chambre. Il a dit Maman, lève-toi. Viens me servir à manger. Ton fils est rentré. Et sa maman s'est levée. Elle lui a demandé Tu veux manger quoi, mon fils Et elle a lui fait à manger. Mais cet homme est mort dans la soixantaine. À 60 ans. Il est mort dans la soixantaine. Il n'a pas vécu longtemps. Il est mort, frère, jeune. Normalement, un homme comme celui-là, tu vas imaginer, par, parlant de son miracle, que l'homme va vivre au moins 100 ans, 100, 120 ans ou 200 ans. Pourquoi pas? Avec ce genre d'onceau de résurrection, lui, la mort l'a pris une fois. On ne dit pas qu'il est mort, il est ressuscité. Non, il est parti une seule fois. Tu ne peux pas comprendre ça. Papa, tu Dieu soit ressuscité de mort. Guéri de cancer en phase terminale. Faire des choses que je n'ai pas encore vu un homme de Dieu faire en Afrique. Parce que Christ guérit. Mais son don de guérison n'est pas brutal, choquant, comme celui de papa Thibaut Joshua. Mais il est moins 60 ans. 60 ans, mes bien aimé. Finalement, Dieu donc traite comment avec ses serviteurs Qui comprendra Dieu Qui expliquera les voies de l'éternel Qui expliquera C'est ça la réalité. Quand ces choses ont commencé, quand toutes ces choses ont commencé, bien aimé, vraiment, si vous n'entrez pas dans le conseil de Dieu, vous, vous perdez, vous gaspillez votre vie chrétienne pour rien. Si Dieu ne vous parle pas, un vrai enfant de Dieu doit parler avec, avec Dieu. Un vrai homme de Dieu parle avec Dieu. Et c'est Dieu qui lui dit ce qu'il doit aller dire à son peuple. Il ne se lève pas seulement pour donner les thèmes, donner des enseignements. Non, c'est Dieu qui lui dit donne-t-elle nourriture à mon peuple. Va bah, le menu de cette semaine, va bah, le menu de ce mois, enseigne sur telle chose, amène-les dans telle dimension. C'est Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas toi-même qui te lèves par ton intelligence pour venir dire n'importe quoi aux gens. Non. Dieu connaît mieux les besoins de son peuple et c'est lui qui doit nous diriger. Quand les problèmes ont commencé avec, avec, avec ma femme, quand les problèmes de santé ont commencé et que nous étions en train de prier, par rapport à ça, je n'ai jamais prié pour un problème comme celui de mon épouse. Pour ceux qui regardaient, ils savaient. Ils savaient, pouvaient ressentir que cet homme a un problème. Il y a un fardeau qu'il est en train de porter. J'ai annoncé l'année passée sur la montagne que je vois une grosse montagne devant moi. Que l'on prie pour moi. C'est une montagne qui me résiste. Une grosse montagne. Et cette montagne, c'était quoi C'était le départ de ma femme. Je l'ai dit. Et l'année-ci. Sur le mont Kolafamba, j'ai répété la même prophétie. Le 31 décembre au palais des sports, euh, non c'était l'année, je suis passé au palais des sports, j'ai répété la même prophétie. Lorsque j'étais en train de prier avec mes, mes frères et mes soeurs, mes collaborateurs, c'était à Imombo, le prophète sen était là ce jour-là, je leur ai dit, ah le prophète Tibidjo, soit merci, et moi 57 ans, ans, il n'a même pas eu 60 ans, 57 ans, ans, bien aimé vraiment... Et les chrétiens, quels chrétiens même d'aujourd'hui, pas des chrétiens, ça, ce pas les enfants de Dieu. Pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur m'a montré une vision. Je leur ai dit que je vois un malheur dans ma maison. Je vois les gens qui étaient de partout pour venir pleurer chez moi. Prions pour ça. On a prié. À douala, je me suis mis à genoux, j'ai demandé au peuple de prier avec moi. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait averti. Dieu m'avait montré ces choses-là. Pour quelqu'un qui était attentif, il comprendrait, il aurait même su qu'il s'agissait de ma femme. Quelqu'un qui était attentif, connaîtait à l'esprit. Vous êtes déconnecté au sein des choses, vous venez parler fort sur Internet. Pourquoi toi-même tu n'as pas su que ma femme allait mourir Toi-même tu n'as pas su pourquoi Tu n'as pas su comment Avec tous les signes flagrants qu'il y avait, toutes les paroles en parabole que je donnais, c'était suffisant pour que quelqu'un sache que, attention, même le simple fait que elle est passée beaucoup de temps à ne pas venir à l'église. Quelqu'un, avait tout ce que je disais, c'était suffisant pour que quelqu'un comprenne que Dieu, l'homme de Dieu est en train de parler de son épouse. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. C'est ça la vérité. Une nuit pendant que je dormais avec elle, avant que son bras ne enfle, il y a des gens qui ont raconté que son bras enflé parce que je tapais sur elle. Si ton mari tape sur toi, ce n'est pas tous les hommes qui tapent sur leur femme. Le Seigneur m'avait montré ça en vision. On dormait ensemble. Dans la vision, j'ai vu tout ce qui s'est passé après. À l'époque, elle était encore bien. Comment tu peux dire à ta femme, voici la vision que j'ai vue. Moi, je n'ai jamais parlé de cette vision. Jamais. Je n'ai jamais parlé de ça. Mais j'ai pris ça en prière. Mon problème, c'était de me mettre à genoux et de parler à Dieu. De demander à Dieu pourquoi, Seigneur, s'il te plaît, interviens, fais quelque chose. Agis, Seigneur. Il y a des femmes qui ont eu le cancer en phase terminale qui sont à Réma aujourd'hui. Ça fait des années qu'elles sont dans notre ministère. Ça fait des années qu'elles étaient mourantes. Mais que Dieu a délivré. Celle qui fait la cuisine dans la maison ici a été attaquée. Un cancer de sein, un cancer du col de l'utérus. Au point que son utérus sortait d'elle. Mais Dieu l'a délivré. Le Seigneur l'en a guérie. Elle est bien portante aujourd'hui. Son sein était fini, son sein était complètement une blessure, c'était fini. Mais Dieu a effacé ça aujourd'hui, elle est en santé, elle n'a pas pris un demi-comprimé, elle n'a fait ni chimio, ni radiothérapie, elle n'a rien fait de cela. Mais Dieu, par ce ministère, l'a guérie, elle est vivante, bien portante. Deux cancers, Dieu l'a délivrée. On a des mamans ici qui avaient des cancers, en enfin, fait, Dieu les a délivrées. Qui suis-je pour interroger Dieu dans ses voies? Il fait ce qu'il veut. Je suis Dieu. Je suis un créateur. Je connais comment créer un homme pour décider sur la vie d'un homme. Faisons attention, craignons Dieu. Vous parlez que vous êtes enfants de Dieu. Vous, vous comportez comme des personnes qui ne connaissent même pas Dieu. Même les païens craignent Dieu encore plus que vous. Parlez de ce Dieu avec plus de respect que vous. N'avez pas honte. Donc le Seigneur m'a montré l'étape suivante. Comment ça allait enfler et les complications au niveau de son sein. J'ai vu ça. Je me suis réveillé ce jour. Je pleurais, ne savais pas pourquoi. Parfois, je me suis pené dans la chambre en train de m'enrouler par terre, criant, pleurant. Quand je la vois comme ça, là, je lave ma face vite. Je souris. Elle me dit Tu pleurais J'ai dit non. Je priais. Je reprends mon âme devant le Seigneur. Pendant longtemps, je l'ai fait. J'ai vu ça. Quand ça a commencé, j'ai vu, avant que ça n'arrive, tous ces événements. C'est les qui sont entrés là. Avant de mourir, j'étais à Douala. J'étais à Douala, en pleine campagne, dans mon hôtel. La nuit, Dieu me montre sa mort. Dieu me dit, je reprends ta femme. Et dans la vision, même la petite était dedans, comme j'ai dit hier à l'église. Je vois ma femme partir. Et je vois aussi la petite partir. Donc dans la vision, j'ai dit à Dieu, j'ai pleuré. Voilà le genre de vision où... C'est-à-dire, c'est tellement réel. Vous vous réveillez, c'est comme si Dieu vient de partir, de sortir de votre chambre d'hôtel. Vous vous réveillez en pleurant. Vous, tu te réveilles, les larmes coulent physiquement dans tes yeux. J'ai pleuré dans la vision. J'ai arrêté Dieu dans la vision. J'ai dit, c'est pas possible. Tu ne peux pas me priver des deux. Même la petite qui devrait me rappeler ma femme, tu ne peux pas faire cela. J'ai pleuré, j'ai dit à Dieu, c'est pas ce que tu m'as dit. Seigneur, tu ne peux pas le faire. Qu'est-ce que j'ai fait Quel est mon péché Quel est le mal que j'ai t'ai fait au oh, point, tu me prives des deux. Et comme j'ai crié à Dieu, j'attrapais le pan du vêtement de Dieu. Dans cette vision, le Seigneur, je l'ai vu partir avec Momi. Et il a laissé Jemima. Et la nuit-là, j'ai appelé ici. Et je leur ai dit, je ne veux plus que quelqu'un tourne autour de Jemima. J'ai donné des instructions sévères. Ils n'ont pas compris pourquoi. Ils n'ont pas compris pourquoi. Je sortais d'une bagarre avec Dieu. Maintenant, vous allez me demander que je justifie pourquoi Dieu a pris cette décision. Moi qui? Parce que je suis qui? Toi, peut-être, toi tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère. Pourquoi ta mère n'est pas morte? Comme toi, tu es plus enfant de Dieu que moi. Ou le jour où tu vas mourir, toi, qui es plus enfant de Dieu, plus spirituel que moi, il faudra caler, toi tu vas caler sur la terre, ne meurs pas. Je saurai que tu es plus grand que moi. Ou le jour où Dieu va rappeler ta femme ou ton mari, chacun son tour. Je ne te souhaite pas ça. Ce que je souhaite pour toi, c'est que si ta femme doit mourir, qu'elle meurt étant vieille. Quand vous avez accompli tout, sincèrement. Parce que je ne pense pas que toi, si Dieu te faisait vivre le choc que j'ai vécu, que tu serais encore enfant de Dieu. Tu serais en train de casser les malta, les grandes Guinnesses grande Guinness dehors. Maintenant, si tu as maudit Dieu, tu es mort. Mais je suis resté intègre dans mes voies, devant Dieu. Je suis resté un, Je n'ai pas osé lever mes yeux devant l'éternel. Je n'ai pas osé frapper sur ma poitrine. Non. Je suis resté à ma place. Je vais dire quoi Je vais lui dire quoi Que je suis qui d'abord Je suis quoi d'abord Je n'ai pas dit à Dieu OK. J'ai arrêté mon contrat. Je me suis engagé à servir Dieu, à prêcher l'Évangile, à défendre les couleurs de son royaume jusqu'à ma mort. Je continue à le faire. Je continue à le faire de toute ma force. Et je le ferai. Pas bon, Je le ferai en pleurant. Il y a des nuits où je ne dors pas. Il y a des nuits où je ne dors pas à cause du souvenir de mon épouse. Il y a de nous, je ne dors pas, c'est ça la vérité, je suis un homme. Ce qui est réel, quand les gens me voient, c'est normal que pour certaines personnes, ok d'accord c'est fini, on tourne la page, on ne peut pas tourner la page, moi je ne peux pas tourner la page. Toi tu peux tourner la page, ce n'était pas ta femme. Tu n'as pas, ce n'était pas ton ami. Tu peux tourner la page, c'est normal, c'est normal et je comprends, je n'en veux en vois personne. Bon mais, ça n'empêche pas aussi que je ressente ce que je ressens. Hein, qu'il y ait toujours des souvenirs qui reviennent très fort. qu'il y ait des nuits où j'ai l'insomnie parce que je revois encore. C'est pas que je suis contre le fait que Dieu l'a mené. C'est pas comment les gens sont sans cœur jusqu'à ce point-là. Non. Quand nous apparaissons devant vous forts, c'est parce qu'on est des généraux. Dieu nous a ouïs. On doit être fort pour le peuple de Dieu. Je veux pas faire partager mon fardeau avec toi. C'est pas ton fardeau, c'est mon fardeau. Je le porte. Donc c'est ça la vérité. Mais toutes ces choses, je les avais vues. Dieu m'en a parlé. Pourquoi? Parce que je suis son serviteur. Il doit prendre mon épouse sans me dire que voici ce que je veux faire. Dieu était-il incapable de la guérir? Non. La preuve, il y en a que Dieu a guéri. Il y a ma cuisinière, je dis encore ma cuisinière, que Dieu a guéri d'un cancer de sein phase terminale. Et d'un cancer du l'utérus, l'utérus est sorti. Hein, c'est ce le col de l'utérus. C'est sorti. C'est ça, c'est le col de l'utérus. C'est sorti. Elle dit marche comme ça, c'est sorti, c'est dehors. C'est dehors, ça sort d'elle. Mais pas la prière. C'est rentré. C'est ça la réalité. Jésus a ressuscité Lazare. Il est mort à 33 ans. Lazare a assisté à ses obsèques. Mais lui, il est parti. Donc les voix du Seigneur sont insondables et bien-aimés. Mais ce qui est important, c'est de causer avec Dieu. Je bénis Dieu pour ça. Je bénis Dieu parce que je ne suis pas un homme de Dieu aveugle. Je n'appartiens pas à cette race de chrétiens superficiels. Non. Dieu m'a toujours traité durement. Mon cas a toujours été différent envers Dieu, devant Dieu. Ma situation, Dieu m'a toujours traité différemment de ceux de ma génération. Et quand Dieu m'a appelé en 2006, il m'a dit Tu as remarqué que partout où tu es passé parmi les jeunes gens de ton âge, tu as été distingué. Parce que j'ai mis un signe sur toi pour ce temps-ci. Car va suivre le temps de l'encre pleine. Dieu a mis un signe sur moi. Pour me distinguer toujours dans ma génération. Mes choses sont toujours différentes. C'est vrai. S'il fallait demander à quelqu'un, j'aurais dit à Dieu non. Ne prends pas ma femme. J'aurais même dit à Dieu que prends-moi et laisse-la. Elle éduquerait plus l'enfant là que moi. J'aurais dit ça à Dieu. Mais le Seigneur a décidé comme il voulait. Et je vais me tenir et dire à Dieu, oh, je vais d'abord le voir où pour dire que, pourquoi tu as pris ma femme Je ne suis pas ce genre de chrétien. Non, ça me fait mal, je suis choqué. Mais un esclave, j'ai mis en silence, il dit gloire à Dieu. J'apprends à dire gloire à Dieu dans ces situations. Mais bon, Dieu a fait de moi l'homme que je suis. C'est une formation redoutable que Dieu m'a donnée. Donc c'est un peu ça. Mais vous gardez la mémoire de votre guerrière. Vous gardez sa mémoire. Vous gardez sa mémoire. Donc, C'est un peu ça. Donc, ma prière pour toi, c'est que Dieu, au lieu de te laisser distraire par les bêtises, cherchons Dieu, mes, mes amis. Notre Dieu est un bon Dieu. C'est un grand Dieu. Dieu veut que tu entres dans son conseil. Prenons le temps pour Dieu. Au lieu des calomnies, au lieu des médisances au lieu de la méchanceté gratuite en tant qu'enfant de Dieu. Si quand tu étais païen, tu étais méchant. Et que maintenant tu deviens enfant de Dieu, tu es encore méchant. Cette méchanceté sera très grande. Elle est plus dangereuse. Parce que si un pécheur est méchant, on comprend que c'est à cause de ses péchés. Mais si un saint est méchant, bien aimé, cette méchanceté est meurtrière. Elle est meurtrière. C'est ça la vérité. Des enfants de Dieu, pleins d'insultes, d'injures. Et la nuit, c'est pour ça que tu es aussi par les couches de nuit, les repas de nuit, les morts. Tu es attaché, on te couche la nuit. Tu souffres. Mais tu ne vois pas ta souffrance, tu veux insulter les saints, insulter des gloires. Et ta vie, c'est des pleurs, blocages, déceptions, blessures, maladie sur maladie. Mais ça ne te dit rien. Tu trouves quand même un peu de temps au milieu de tes souffrances, au milieu des plaies de ta vie, de tes contusions, des déceptions de ta vie, de ta vie catastrophée. Tu trouves quand même une minute pour insulter les hommes de Dieu. Tu ne vois pas quand ton âge... D'autres ont déjà conçu des maisons à ton âge. Tes soeurs sont mariées. Elles ont leurs enfants. Toi, les hommes ne font que te décevoir tous les jours. Tu ne comprends pas que c'est la malédiction de tes actions, due à tes actions, à la méchanceté de tes paroles, de ta bouche et de tes actes contre les joints de Dieu que tu es en train de récolter. Au lieu de t'arrêter, tu continues parce que tu trouves encore en toi de la force et le temps viendra, tu seras fauché. C'est ça la vérité. Le temps viendra, tu seras fauché. Donc mes amis, l'église de Dieu doit se retourner aux choses essentielles. Satan nous a beaucoup distrait. Comment des enfants de Dieu sont venus à s'insulter les uns les autres Comment vous avez même d'abord été éduqués ou à insulter les hommes de Dieu tu, Toi tu es quel genre d'enfant de Dieu Je ne t'appelle pas enfant de Dieu. Tu es un fils du diable. Tu es un fils du diable. Parce qu'il n'y a que les fils de Satan pour combattre les joints de Dieu. Les sorcières t'ont tout mangé. Tes oreilles, même si tu n'as même plus pressé d'oreilles, ils ont tout mangé tes oreilles. Tu viens parler aux gens. Donc, mes bien-aimés, sortons du milieu de cette génération perverse et corrompue pour chercher le conseil de Dieu. C'est important. C'est important. Dieu parle. Dieu est vrai. Jésus a dit ego Il dit ego he Moi, je suis la résurrection et la vie. Jésus-Christ est vivant. Jésus est vivant. Dieu m'a montré avant que Momi ne parte dans une vision. Dieu ne peut pas prendre ma femme sans me parler. Je suis son mari, je suis son chef. Dieu respecte la hiérarchie. Il respecte l'autorité du mari sur sa femme. Dieu m'a dit une nuit. Dieu m'a dit une nuit. Dis à ta femme que je vais l'honorer et que je mettais sur sa tête une couronne en or. Pourquoi? À cause de toutes les souffrances qu'elle a endurées à cause du nom de Jésus-Christ. Et Dieu m'a dit dans cette vision, sa justice pas celle de tous. Dans cette maison, elle ne me demande pas d'expliquer. Je lui ai dit ça le matin, et c'est après que et, et, ma belle-sœur, maman Mireille et, et, et mon beau-frère Désiré m'expliquent que dans ces derniers jours, elle leur a raconté que je leur, je lui ai dit la vision, telle vision, et que elle a compris que ça veut dire qu'elle va rentrer à la maison. Que cette maladie, elle ne s'en sortira pas, elle va retourner à la maison. Elle a dit ça à son, son grand frère et à sa grande soeur qui me l'ont répété. Donc, je sais où elle est. La couronne en or est sur sa tête. Je le sais, Dieu me l'a dit. C'est pas que j'imagine, Dieu me l'a dit. Donc, si j'arrive, je te dis que Dieu m'a dit que ton nom c'est ceci, ton père s'appelle comme ça, ta maison est dans tel quartier, dans ta maison il y a trois chambres et que c'est vrai. Je viens te dire que Dieu m'a dit. Comme mon épouse a une couronne en or, c'est la vérité, tout simplement. Il n'y a rien de plus simple que ça. Pour moi, écouter la parole de Dieu est très simple. Si je me mets à genoux maintenant et dis à Dieu que ça, c'est qui Seigneur, je veux connaître qu ce qui Il va arriver dans tel nombre d'années. La même nuit, Dieu va m'exaucer. C'est la grâce que Dieu m'a faite. Voilà de quelle espèce nous nous appartenons. De quelle espèce de chrétiens nous appartenons. Nous appartenons à ceux qui assistent au conseil secret de Dieu. Ma prière pour toi, c'est que Dieu te fasse participer à son conseil secret au lieu de bavarder. Que Dieu te bénisse. Donc, Yaoundé, ce dimanche, ne manque pas à la Bir, 7h30. Nous avons un culte très dangereux qui va te rétablir dans ta gloire et dans ta destinée royale. Et à Douala, tous les habitants de Douala ne manquaient pas. Ce dimanche, 16h, je serai là. Mardi de la semaine prochaine, mardi, mercredi, jeudi, je serai à Bertois. Tous les soirs à 17h. S'il vous plaît. Les habitants de Bertois, venaient de partout à Ancienne SCT, quartier Mokolo Ancienne SCT, soyez là tous les soirs. Et le dimanche de cette semaine, la semaine prochaine, je serai en soirée à Bertois à 16h pour le culte. On aura le culte à Yaoundé à 7h30 et le soir à Bertois 16h. Donc pendant que vous vous mobilisez à Yaoundé, à Douala et à Bertois et partout, que Dieu vous bénisse, je vais dire aux habitants de Kribi bientôt, je ferai mon entrée à Kribi. Au plus tard, le mois prochain, je veux fouler le sol de la ville de Kribi. Et Kribi connaîtra la visitation d'un prophète majeur. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ton week-end. Passe un très bon week-end dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et que sa grande grâce soit ton partage. Je t'aime de l'amour de Christ au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.